Bienvenue dans le Vercors Dromois. Ce massif mythique est une véritable forteresse minérale qui recèle des paysages d'exception et un terroir préservé. Nous sommes ici au col de Rousset, la porte d'entrée vers le Vercors Dromois. Nous sommes à l'abbaye de Léoncelles, qui a été fondée par les moines cisterciens au XIIe siècle. À la croisée des chemins et au jaillissement des sources, elle a été un véritable refuge au cœur du Vercors. Nous sommes à la ferme de Rocherousse, producteur de lait pour les fromages Bleu du Vercors et Saint-Marcellin, deux fromages emblématiques de la région. L'alpage de Fondurles est un site iconique du Vercors Dromois. Cet immense plateau jouit d'une biodiversité exceptionnelle. Nous voyons des dizaines de fleurs et il s'achève sur des falaises spectaculaires. Nous allons découvrir la Via Corda de Saint-Martin-en-Vercors. À mi-chemin entre la Via Ferrata et l'escalade, la Via Corda est une belle façon de s'initier à la verticalité en toute sécurité. Nous sommes à l'atelier de la Source, savonnerie artisanale à Saint-Martin-en-Vercors. Virginie nous explique le processus de la saponification à froid et toutes les vertus incomparables du savon authentique. Nous sommes partis en canirando sur le plateau d'Ambelle. C'est un site iconique du Vercors Dromois avec ses crêtes à perte de vue et c'est génial de le découvrir comme cela avec son chien en communion avec la nature. Le musée de la préhistoire rassemble les découvertes archéologiques majeures qui ont été faites dans le massif du Vercors et notamment en ce qui concerne la taille de silex. Nous sommes au jardin de Carpa, producteur de noix et propriétaire de cabanes arboricoles qui parlent à notre âme d'enfant. Nous sommes dans le Royan, un des piémonts du Vercors. À Saint-Nazaire-en-Royan, l'aqueduc enjambe les eaux bleues de la Bourne. Terre d'histoire et de légende. Citadelle de rêve et de pierre. Le Vercors a été sculpté non seulement par l'eau, la roche et le vent, mais aussi par les mains des femmes et des hommes qui travaillent son terroir singulier. C'est un pays où on se sent libre et vivant. Et ce sont pour moi les plus belles montagnes du monde.